Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé « Le verti d'implorer le pardon ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et implorer le pardon à Allah, certes Allah est pardonneur et miséricordieux ». J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, que notre maître le prophète Muhammad et son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Fait partie de la grâce et de la clémence d'Allah envers ses serviteurs le fait qu'il leur ouvre la voie de repentir et d'implorer le pardon. Allah, gloire à lui, dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas. De la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Dans un hadith divin, Allah exalté soit-il, dit « Ô fils d'Adam, lorsque tu m'invoques et me supplies, je te pardonne tous tes péchés sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, même si tes péchés arrivent en volume la hauteur de cieux, puis tu m'implores le pardon, je t'accorde le pardon sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, même si tu viens à moi avec des péchés aussi grands que la terre, sans me faire d'associer, je t'en accorde autant le pardon. » L'imploration de pardon est l'attitude du prophète Élie, racontant l'histoire de 12 ancêtres et des humains, Adam et Yves. Allah gloire à lui dit, tout doux, dire, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. D'après Noé, salé sur lui, Allah gloire à lui dit, Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyante, ainsi qu'aux croyants et croyantes. Au sujet d'Ibrahim, salut sur lui, Allah dit, ô mon Seigneur, pardonne-moi à mes pères et mères et aux croyants le jour où se produira le règlement de compte. Sur la langue de Moïse, salut sur lui, Allah gloire à lui dit, ô mon Seigneur, pardonne-moi et à mon frère et fais-nous entrer en ta miséricorde car tu es le plus miséricordieux du miséricordieux. Elle dit également, et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Allah gloire à lui dit, au dernier de ses prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour le croyant et les croyantes. Implorer le pardon a de nombreuses vertus dans le pardon et la miséricorde accordée à ceux qui l'implorent. Allah gloire à lui dit, quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Il dit également, il vous vaudrait mieux d'implorer le pardon à Allah dans l'espoir que vous soyez agréé dans sa miséricorde. Et il dit également, et implorez le pardon à votre Seigneur, puis répondez envers lui. Certes, mon Seigneur est au miséricordieux et plein d'affection. Dans un hadith divin, Allah gloire à lui dit, ô mes serviteurs, vous agissez le mal jour et nuit, alors que moi, je pardonne tous les péchés, implorez-moi donc le pardon et je vous l'octroie. Le prophète, salut, bénédiction sur lui, dit, quiconque implore le pardon d'un péché qu'il a commis, est comme s'il est divini son péché. Parmi les vertus de l'imploration de pardon, il y a également la bonne jouissance, la force dans la vie d'ici-bas et les délices dans l'au-delà. Allah gloire à lui dit, demandez pardon à votre Seigneur, ensuite, revenez à lui, il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Il dit également, ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et répondez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel, du pluie abondante
et qu'il ajoute force à votre force et ne vous détournez pas de lui en devinant coupable. On cite également parmi les vertus de l'imploration de pardon, la subsistance en abondance et le bien si vaste. Sur la langue de Noé, salut sur lui, Allah gloire à lui, dit « J'ai donc dit implorer le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel de pluie abondante et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. » On en cite également la dissipation des ennuis et des malheurs. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque implore régulièrement le pardon, Allah lui accorde une issue à toute nuit, une échappatoire à tout malheur et lui pourvoit des moyens qui lui sont imprévisibles. » Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ce qui lui suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Parmi les vertus de l'imploration de pardon est le fait qu'on assimile l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui implorait si régulièrement le pardon à son Seigneur malgré le fait qu'Allah, gloire à lui, lui pardonna déjà ses péchés antérieurs et futurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit « Par Allah, j'implore le pardon auprès d'Allah et je lui réponds plus de 70 fois par jour. » Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agré lui et son père, dit « Nous recensions au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la même science, 100 fois sans dire « Oh mon Seigneur, pardonne-moi et agrée mon repentir, c'est toi celui qui agrée le repentir, c'est toi l'homme miséricordieux. » Il faut signaler que la vraie imploration de pardon est celle où le cœur et la langue ne font qu'un, et dont l'auteur regrette sérieusement les péchés qu'il a commis, ayant la ferme volonté de ne plus faire ce qui déplaît à Allah, gloire à lui. Allah, gloire à lui, dit « Et conquérez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire paradis, large comme le ciel et la terre, préparé pour le pieux, qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah par exemple, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est ce qui pardonne les péchés, sinon Allah, c'est toujours Allah qui pardonne. Et qui n'y persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait, ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que le jardin sur lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, comme ébouent le salaire de ceux qui font le bien. Ô Allah, absous-nous le péché, préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.